Hey, salut à tous, c'est la petite pote Season Peel, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Pokémon et Donjon Mystère, équipe de secours DX, le remake comme d'habitude. Aujourd'hui la petite question du jour, s'il vous plaît mesdames et messieurs, oui, hop, voyez-vous la différence avec Pokémon, Donjon Mystère, équipe de secours bleu? Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de changements, au niveau surtout des cinématiques, il y a des choses qui ont été rajoutées, des choses qui ont été peut-être enlevées, rajoutées c'est sûr, enlevées je ne sais pas, et voilà, si vous les voyez, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, et à liker la vidéo, merci à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouvel épisode avec une livraison de Becky Pan. Plop. Alors, Becky, qu'est-ce que tu nous fais Becky Pan? Ah, pour une fois, c'est moi qui regarde. Joli cadeau, utilisé du Kasujio Dojo Makuta, d'accord. Trop bien. Hop, la faim, si vous avez faim, mangez, ok. Grotte Péril, ok. Mission. Donc au niveau des missions, nous avons de la grotte éclair du Mont Acier. Mont Acier, ah, on vient de la récupérer, c'est ça? Ok, donc on va faire le Mont Acier aujourd'hui, puisqu'on a 3 missions. Écoutez, ma foi, pas dégueulasse. On va aller, dans un premier temps, vous l'auriez compris, chercher les nouvelles missions, supprimer les anciennes missions qui ne nous conviennent plus. Et ensuite, on ira faire un tour chez Gros Doudou, voir le tableau. Nous, on va au Mont Acier. Ah, oui, oui, forcément. Mission. Petit bois... suspendre. Vous ne pouvez plus l'accomplir même si vous vous rendez compte. Ok. Ah oui, non, non, je veux la refuser. Oui, désolé. Refuser. Calcium, on refuse aussi. Voilà, donc là, nous avons du Mont Acier. Bon, celle-là, on va la garder quand même parce qu'elle m'a l'air assez, assez intéressante. Même si c'est du F au niveau de la difficulté. Donc voilà. Hop, il nous en reste encore, on peut encore en prendre, hein. Donc on va prendre celle-là aussi, celle-là, est-ce que je peux prendre celle-là? Oui, parfait, et voilà, donc là nous avons toutes les, ah oui, on aurait pu faire ça, ou on aurait pu prendre carrément celle du, je suis en train de checker, au niveau de... des difficultés, c'est kiff kiff, donc voilà, c'est bon. On va rester comme ça, du coup, on a pris pas mal de quêtes, ah oui, on devait aller voir Gros Doudou aussi. Installer un camp de secourisme. Par nom de camp. Donc voilà, un plateau de beauté, un plateau orageux et où on peut avoir tout ça. Alors nous on va au Mont Acier, hein, donc en soi il nous faudrait des Pokémon assez stylés quoi. Donc en fait là on a tout, voilà. Comme vous voyez, et c'est plutôt cool. Forêt de l'essor, ou cool. Paras. Ah ouais. Ok, Kecléon, jungle, on peut avoir Mystère et Neuneuf, Savane, on a des Nidoran, des Doduo, on va le prendre celui-là. Marché conclu. Campi Campa, Campanabra! Vous allez pouvoir faire équipe avec des Pokémon compatibles avec ce lieu! Voulez-vous installer un autre camp? Oui, je veux voir s'il n'y a pas des trucs peu chers. Non, le moins cher c'est... ok. Voilà, allez go! Maintenant, direction... oui, parce que forcément, on n'avait pas de camp. Mais Nidoran peut être sympa, surtout pour avoir un gros Nidoking énervé bien à la fin, quoi. Ça peut être stylé, franchement. Freshmash, Camprin, là, ça doit être pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, là, cette histoire-là de petit bois. Je ferais ça au pire, hors cam. Mais là, il y a un ennemi puissant et tout. Franchement, ça va être grave stylé. Donc voilà. Alors, je veux juste checker au niveau de l'équipe. Ouais, non, on va le garder, on va le garder. Et puis on va départ... objet. Ah bah oui, forcément, on a des graines vides. Il nous faudrait... on n'a plus rien. On n'a plus rien, ok. On a bouffé toutes les résus graines, quoi. Ok, bah départ, dans ce cas-là. On va faire un départ en direction le Mont Acier. Je sais plus ce qu'il y a déjà au Mont Acier comme Pokémon. Mont Acier, rez-de-chaussée. Donc rappelez-vous, dès le premier... ah oui, il y a des bugants. Bon alors lui, dès le début, mais c'est pas possible ça, chaque fois je me fais avoir. Bon voilà, on va essayer de récupérer un maximum de graines du coup pour
Oh ouais. Il y a des Pokémon pas dégueux. Il y a vraiment des Pokémon pas dégueux du tout. Et ça c'est cool. On va essayer de récupérer un maximum de... comment s'appelle, de thunas durant ses missions, bien évidemment. Et il faut qu'on lui apporte une pomme. Alors logiquement, des pommes, je devrais en avoir. Exactement, c'est bon, parfait. Et il est là. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que ça, ce n'est pas beau? Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, oui, allez, continuez de tuer, voilà. Voulez-vous lui donner cet objet? Donnez une pomme. Voilà, donc première pomme, fait. Mission accomplie, ça c'est cool, voilà. Là, on a quasiment un truc tous les étages. Voilà. Non. Allez, on va récupérer tous les objets, du coup. Je sais pas si on va pouvoir vraiment recruter du monde sur ces missions. M'étonnerait au vu de... Oh, des gravel roches. Ouais, ça peut toujours servir. Ouais. Attendez, on va descendre par là. Apparemment, il y a des Pokémon qui vont se faire démonter la gueule. Regardez. Allez, hop. Hop. Voilà. Des Poképièces, ça c'est toujours intéressant à récupérer. Hop. Voilà. Bon, on a toujours pas trouvé l'étage, il doit être par là, non? Non, toujours pas. Donc l'étage est... il est ici. Et voilà. Nous passons à l'étage suivant. Moi aussi niveau 2. Alors, est-ce que j'ai une quête ici? Mener Ratata jusqu'à Fouinette. Ok, parfait. Et il se trouve relativement à côté en plus, donc c'est parfait. Écoutez, encore une fois, beaucoup de chance de la part du grand joueur français. En fait, voilà, j'ai pas le temps de faire grand chose. Les Pokémon sont morts à l'instant où j'arrive dans la salle, quoi. Chose qui est assez incroyable. Regardez, hop, là ça va attaquer, non? Ah si. Visez aussi. Non mais il faut pas que Ratata crève par contre, les potes. Voilà, ça c'est bon. Non, non, non. T'es où, Ratata? Viens. Allez, Ratata. Voilà, ça c'est bon. Franchement, mission assez simple, hein. Voilà. Oh, je me languis de faire les grosses, grosses missions bien énervées. Et voilà, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien de faire des trucs comme ça. Non, 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 je ne veux pas quitter le donjon. J'ai des Pokémon à fouetter. Regardez-le. Non, mais regardez ça. Voilà, je n'ai le temps de rien faire. Voilà, ça part sur des one-shots H24, quoi, c'est fou ça. Pardon, Arco, tu es au milieu. Oh! Ouais, voilà, on va éviter de se tromper, hein, encore une fois. Justement, on s'en fout. On s'en fout. Hop, voilà. Ah! Ouais? Ah non, t'es sérieux, on n'a pas le... Bon, c'est pas grave, tu me diras, mais au moins il nous rejoint au cas où le jeu commence à devenir assez difficile. Je vous rappelle quand même qu'il y a un galopin, hein, qui traîne dans les parages. Voilà. Ah, Ponyta qui se trouve à cet étage. Au top. Ok, parfait. Voilà. Je peux avancer, hein, c'est bon. Eh, c'est vrai. Ah, va te faire foutre. Oh, bon, alors toi, mon pote, écoute, c'est pareil, quoi. Tu vas décéder assez vite, quoi. Eh, hey, il met la misère à Magnéchi quand même, hein. Malgré sa puissance ultime, il nous la met cher, hein. Yo. Voilà, on a secouru notre petit Ponyta, hein, amigo de l'amiga. Voilà, forcément, quelqu'un d'assez fort, moi je dirais. Il reste au moins, ouais, ouais. Voulez-vous quitter? Non, je ne quitterai toujours pas. Alors, juste je veux voir au niveau des missions... qu'on a c'est ce tableau là. Oh, 4, 5, 6 et 7. Ok. Donc ouais, en fait j'en ai vraiment un à tous les étages, quoi. Parce que là je suis au 3. Ah, il y a un Pokémon, très bien. Ah, mais il y en avait un autre là. Ah oui. Et alors toi tu vas te calmer. Voilà. Oh, bah alors toi mon pote. Oh bah alors toi mon pote. Toi t'as pas eu le temps de dire ouf que t'étais déjà plus de ce monde, quoi. C'est fou ça. C'est fou. Piaf avec... Peu cher Piaf avec... Bah, si vous avez vu où il se capte, où il se met, mais... Pile à côté d'un... c'est pas Piaf avec...
Bon, bref, il était à côté d'un monstre, quoi, d'un Pokémon. Je sais plus qui c'était, c'était Piafabek ou pas. J'ai oublié. Rattata qui était à côté de Piafabek, peut-être. Je sais plus. J'ai oublié. Je suis dans le déni. Dans le déni. Ah, pas déni. Ce serait bizarre quand même. Hein? Bon. Qu'est-ce que c'est? J'ai faim. Ah! Mon petit bonhomme, il a faim. Alors attendez. Tu vas. On va aller dans les objets. Voilà. Reprendre. Voilà. Hop, boîte à objets. Manger. Oui, oui. Ça doit pas faire beaucoup, ouais. Ça fait rien du tout, même. Ouais, bah je sais que tu crèves la dalle. Écoute, j'y suis pour rien. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est un Piafabek qui est à côté de... Sûrement d'un Piafabek. Et boum. Voilà. Ça, c'est fait. Nous avons le petit Piafabek des familles. Voilà. Ça, c'est bon. Allez, il nous reste plus que deux missions à accomplir. On va essayer de trouver un truc à grailler parce que... C'est bon. On a des pommes. Ouais, ouais. Quand même que ça nous fasse un peu dans l'estomac, quoi. On en parle sinon que le truc est au milieu, quoi. Il est ici, non? Ouais, il est ici, l'escalier. Encore? Ah, mais dis donc. Je passe ma vie à me faire endormir dans ce jeu, c'est fou, ça. C'est vraiment fou, hein. Étage 5. Chenipot. Juste en dessous, écoutez, on va y aller là, maintenant, tout de suite, et voilà. One shot. Chenipot, chenipot, chenipot. Ouais, ouais, chenipot. Oh bah c'était plutôt facile, hein. Ouais, ouais, on va passer te voir. T'inquiète pas, mon pote. On va venir te capter après. Il reste encore une mission à accepter. Un Pokémon qui va bientôt décéder, voilà. Il suffisait de le dire pour le faire. Encore? Mais c'est fou, ça! Bluff. Je bluffe de rien du tout. Crève. La violence ultime. Hop. Est-ce que l'escalier serait par là, par hasard? La réponse me dit que non, apparemment. Ah! Ça va attaquer des deux côtés, ça c'est stylé. Tâche accomplie, ok. Allez, bon bah go. Il était donc juste à côté de notre spawn. Génial. Ah, il est là. Ok. Bon, on va récupérer la graine. Alors, attendez. Je sais qu'il y a... Non, mais attends. Ça fout pas de ma gueule. Ok. On va faire ça, c'est stylé aussi. Ok. Hop. Bon, on va faire ça. Voilà. Approche-toi. T'es mort. Voilà. Il y a un truc pour changer le meneur, j'arrive pas à trouver la touche. Encore un Piafabek qu'on doit sauver. Eh ben dis donc, ça en fait des Piafabouks, hein. Hop, de l'argent, tout l'argent c'est bien. Ah non, on a un peu des tangalis nous, un peu, hein, dans notre vie. Faut pas abuser non plus. D'ailleurs mon attaque pistolet va bientôt monter de niveau. Ça c'est si cool. Voilà. Plus qu'une petite barre et ça sera bon. Et voilà. Et donc nous étions à l'étage 7, hein, donc nous avons terminé au moins toutes ces quêtes, quoi. Ça peut être cool, quoi. Voilà, il reste au moins une mission à accomplir. Ok. Non. Je savais pas qu'il me reste... Il me reste quoi encore comme mission? Ah, je suis... Ok, il faut que j'aille au 7. Oui, bon, bah oui, j'ai faim. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Moment, j'ai pas rien, moi. Explograine, ça c'est cool, ça. Il est là? Putain, il est pas là. Il est de l'autre côté. Hop. Ah ouais, à ce point. D'accord. Et Rukia qui passe du coup un nouveau niveau. Qui passe niveau 12, et ça c'est cool. J'avais capté que ça, que ton niveau il avait augmenté. Et je crois qu'une fois que je suis à 0, je peux plus... Voulez-vous continuer? Oui, je crois qu'une fois que je suis à 0, je peux plus courir. Nidoran, ah bah parfait. Parfait. Franchement, on va pas aller à midi à 14h.
Je sais plus ce que ça fait déjà d'être à zéro en bouffe. Oui, on a compris que vous allez lui mettre misère. Voilà, et ça c'est cool. Merci, merci, voilà, nous avons sauvé Nidoran. Voilà, et ça c'est beau. Nous on aime ça quoi. Oui. Et voilà, nous quittons le donjon du coup avec notre Magnéchi du coup, hein, forcément. Et voilà, nous avons accompli avec brio. Ok, bah écoute, c'est pas grave, on a gagné de la thune. Parce qu'on a fait une petite quête avec lui quoi. Merci beaucoup pour votre aide, vous avez bien mérité cette récompense. Merci. Et on va peut-être changer du coup de grade. Non, peut-être pas en fait. Merci beaucoup pour votre aide. Putain, on gagne que 50 les potes, 50 c'est rien. Ah, ça c'est des piafs. Alors attendez, on en est où? Il nous faut encore une, deux, trois quêtes. Trois quêtes pour up, c'est ok. Orbe gros doudou, ça c'est stylé ça. Oh, c'est génial. L'orbe gros doudou c'est cool. Petite assiduité, voilà, parfait. Hein. Réserve kangourex, toi-même tu sais de la famille. Et voilà, on passe le niveau. Ça c'est cool. Et je voulais rencontrer Galopa et ben non. Ah ben non. Et nous passons au grade grade normal, voilà, on était à grade novice, on est en grade normal. Écoutez, ce qui nous coûte quand même pas mal, ce qui nous donne plutôt beaucoup d'avantages. Graine transcendance, très bien. Alors là, ok, donc il nous en faut, il nous en faut pas mal. Tu, belle journée, on mérite un peu de repos, à demain. À demain. Le lendemain matin, mais décidément. Oh, on fait plus de rêve. Là, on va nous féliciter. Oh, bravo, vous avez changé de grade, nanani, nanana. Et je pense que ça doit être comme ça. Ah, en retard, Ruka. Ah, c'est ici la base de l'équipe des Kadori. Ah, bah tiens. Super nul par ici. Ah, bonjour à la déprime. Quelle idée d'installer une équipe de secours dans un trou pareil. Vous êtes qui au juste? Oh! Regardez, une boîte aux lettres! Regardons ce qu'il y a dedans! Eh, hey, mais qu'est-ce que vous faites? Super des demandes de sauvetage! Jackpot! On les prend toutes! Eh? Pas si vite! Ces lettres sont à nous, pas touche! Peu importe, qui remplit les missions tant qu'elles sont accomplies? Nous aussi, après tout, on est une équipe de secours! Même si on préfère semer la zizanie. Ce que nous voulons, dominer le monde. Ah ouais, d'accord. T'as bien entendu, moi. C'est pour ça qu'on se fait de l'argent et qu'on recrute des... On est les Mahalefeka. Allez, Shaolinaz. Allez. Incroyable. Quelle bande de monstres. Il faut que je boive. Oh non, Ruka est triste, elle pleure. Elle pleure, quelle tristesse. Flap, flap, flap. Ah. Becky Pan is back. Après, ils nous ont vandalisé la boîte aux lettres, quoi. Il y a des griffes et tout. Il n'y a aucun qui a des griffes, mais... Ah si, il y a... Non, mais on va les dominer. Ils veulent dominer le monde de que dalle. On les bousille. En cadeau de ce numéro... Vous perdez de l'argent, ok. Bon, eh ben, on va faire un truc qui s'appelle Grotte en Péril, du coup, aujourd'hui. Je pense que ça peut être une bonne idée. Très très bonne idée, même. Alors, on va aller voir l'émission. Voilà. Voir le tableau. Il me faut un orbe fameux. Alors non, petit bois, par contre, mon pote... Non. Voilà. En fait, j'aimerais autre chose que... Alors, attendez. Ah, c'est ça. Hop, mission. Grotte Péril. Voilà, donc on prend du Grotte Péril. Aujourd'hui, on a dit Grotte Péril, c'est Grotte Péril. C'est tout? Ah ouais, d'accord.
Putain, ils sont radins avec l'émission aujourd'hui, hein. C'est fou, ça. Yo, Kangourex. Alors, attends. Déposer. Attendez. LR. LR pour tout sélectionner. Voilà. Et ça, on désélectionne. Voilà. BPCH, on désélectionne. Ça, on désélectionne. On désélectionne. Et permet. Ok, voilà. Voilà. Retirer. Et il me faudrait. Ah bon, on a ça, nous. D'accord. Il me faudrait des pommes. On va prendre 3, c'est bien. On va prendre. Bah, je crois que c'est tout, hein. Donne le statut-abri à tous les assistants de l'étage jusqu'à... Ok. On s'en fout, tourmente l'arcin et tout ça, on s'en fout aussi. Non, voilà, c'est bon. Et la banque, c'est qui déjà? C'est Persian. On va poser la thunasse. Après, on va pouvoir s'acheter plein de camps. Et ça sera très, très, très stylé, quoi. Allez. Bah écoutez les petits potes, nous arrivons à la limite de cette vidéo, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à répondre à la question du haut, voyez-vous les différences avec la version DS. Merci à tous, sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine, peace.